Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce soir en direct du légendaire stade Geoffroy Guichard où l'atmosphère est tout simplement exceptionnelle. Les tribunes vibrent déjà d'une énergie palpable et c'est dans cette ambiance électrique que l'AS Saint-Etienne s'apprête à affronter le Havre pour ce match de la deuxième journée de Ligue 1. Les Verts qui se sont inclinés sur la plus petite des marges le week-end dernier au Stade Louis II face à l'AS Monaco, 1-0, tandis que les Havrais ont été corrigés 4-1 en craquant en toute fin de rencontre face au Paris Saint-Germain. Allez, on va se pencher sur les compositions des deux équipes et on va commencer par celle d'Olivier Dalloglio. Gauthier Larsener sera dans les buts, une défense à 4, Marwan Enzouzi, Younis Abdelhamid, Dylan Batoubinsika et Beres Oyusu en défense. Devant la défense, on retrouvera Florian Tardieu en mi-offensif gauche, Mathieu Cafaro en mi-offensif droit, Zurico Davitashvili. Dans l'axe du milieu de terrain, on trouvera Matisse Omougou et Ben Hold, le néo-zélandais, et seul en pointe de l'attaque, Ibrahim Sissoko. Du côté de la composition de Didier Digard, on retrouvera Arthur Desmas dans les buts, une défense à 4, Christopher Opéry, Gauthier Lloris, Étienne Youté, Kinkoué, Loïc Nego, 3 milieux de terrain d'Aler Kouzaïef, Abdoulaye Touré et Rassoul Ndiaye, et 3 attaquants, Yacine Keshta côté gauche, Antoine Joujou côté droit, et dans l'axe de l'attaque havraise, Josué Casimir. Je vous laisse profiter de cette ambiance incroyable, exceptionnelle de Geoffroy Guichard qui retrouve la Ligue 1. Exceptionnel. Allez, le coup d'envoi va être donné par les Verts pour cette deuxième journée de Ligue 1 version 2024-2025 avec les Stéphanois qui ont le ballon avec Cafaro. Hein. Amougou. Amougou qui porte le ballon. Qui va retrouver Sissoko. Et bon retour là du Russe Kouzaïef qui va retrouver Touré. Car il va se retourner mais il pousse un peu trop son ballon et Abdelhamid a pu le récupérer. Pour les Stéphanois, Ben Wold, Amougou qui prolonge à Sissoko, qui accélère. Il a fait la différence là, Sissoko. La frappe de Sissoko. Ça passe pas loin là du montant de Arthur Desmas. Ah ouais, ça vient lécher là le montant du portier normand. Et là voilà, la première occasion, elle est du côté de la AS Saint-Etienne. Et ça fait soulever d'un seul homme là les tribunes de Geoffroy Guichard. Cette occasion d'Ibrahim Sissoko. Mais malheureusement pour les Stéphanois, ce n'est pas cadré. Arthur Desmas, loin devant. Hold qui a pu récupérer ce ballon. Il va retrouver Sissoko. Qui va décaler Amougou. Amougou toujours. Côté gauche sur Cafaro. Enzouzi. Enzouzi qui prolonge à Sissoko. Oh, super ballon de Sissoko pour Ben Hold. La frappe! Et l'ouverture du score de Ben Hold, le néo-zélandais, qui vient marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs stéphanoises et faire souffler tout un peuple ce soir. Incroyable occasion, on voit cette passe millimétrée de Sissoko pour la patte gauche de Ben Hold qui vient fusiller Arthur Desmas et il est trop juste le portier normand pour détourner cette frappe du néo-zélandais. Ça fait 1-0 pour l'AS Saint-Etienne face au Havre. Quelle ambiance ce soir au stade Geoffroy Guichard. Ça a littéralement explosé dans les tribunes. Loïc Nego qui est contré. Amougou. Cafaro. Pour Ibrahim Sissoko. Qui vient s'appuyer sur Florian Tardieu. Amougou. Ah, c'est bien fait là pour les Verts. Enzouzi. Qui est repris par l'excellent Loïc Nego. Antoine Joujou, ah super ballon là de Antoine Joujou dans la course de Josué Casimir. Josué Casimir face à Larsonneur. La parade, la main ferme de Gauthier Larsonneur face à Josué Casimir. Quelle occasion là pour les hommes de Didier Digard d'égaliser. Ah, ils se sont fait peur là les Verts. Je peux vous dire que ça s'est arrêté de respirer là dans les tribunes de Geoffroy Guichard.
Nzuzi qui revient en retrait sur Amougou. Sissoko dans l'axe sur Florian Tardieu. Florian Tardieu qui cherche une solution, il va la trouver côté droit sur Davitashvili, le géorgien. Davitashvili qui protège bien son ballon, qui va centrer au second poteau. C'est un peu fort, mais c'est récupéré par Nzuzi. Nzuzi qui va peut-être ajuster un centre, il est contré. Cafaro qui se bat pour récupérer le ballon et revient à s'appuyer sur Nzuzi. Nzuzi, la frappe de Nzuzi qui passe largement au-dessus de la cage de Arthur Desmas. Mais encore une grosse occasion là pour les Stéphanois. Mais Marouane Nzuzi qui voit sa frappe s'envoler dans les tribunes de Geoffroy Guichard. Toujours un but à zéro pour la Saint-Étienne face au HAC. Arthur Desmas. Kimboué, Ndiaye. Et c'est récupéré par les Stéphanois là qui font un très très bon début de rencontre pour l'instant. Les hommes d'Olivier Dalloglio. Casimir. Il va rejouer sur Touré qui prolonge. Kouzaïev, le russe d'origine tartare qui va retrouver dans l'axe. Josué Casimir qui va fixer la défense des Verts. Et Antoine Joujou, c'est bien fait. Ndiaye, la frappe de Ndiaye peut-être en deux temps. Gauthier Larsonneur qui peut se saisir de ce ballon. Et madame l'arbitre a vu quelque chose. Voilà, elle a vu une main, il me semble, avraise. Mais là, grosse opportunité là pour les Normands d'égaliser. Attention, attention là, les Stéphanois, ils se font peur là depuis quelques minutes. Nzuzi, Amougou. Benhold. Oh, petit crochet de Benhold, c'est bien fait. Qui va retrouver dans l'axe Amougou, qui prolonge un peu trop son ballon et Touré peut le récupérer pour Ndiaye. Casimir. Kouzaïev qui va perdre le ballon. C'est récupéré par les hommes d'Olivier Dalloglio. Sissoko. Sissoko qui temporise, qui va jouer une longue transversale dans la course de Cafaro. Cafaro toujours, Mathieu Cafaro dans la surface de réparation. Mathieu Cafaro, peut-être pour la frappe de Mathieu Cafaro. La parade, incroyable, exceptionnelle de Arthur Desmas au devant de Mathieu Cafaro qui était tout proche de doubler la mise pour les Stéphanois. En tout cas, ça va donner un corner pour les Verts. Ils vont jouer à deux. Amougou, le centre d'Amougou, la tête de Sissoko au-dessus de la cage de Arthur Desmas. Ah, il s'en veut. Ibrahim Sissoko, il n'a pas pu cadrer sa tête. Ouais, mais il est bien gêné. Alors, il me semble que c'est Kinkoué qui le gêne. Arthur Desmas, loin devant. Antoine Joujou, de la tête, qui est remise derrière sur Ndiaye, mais il y aura une faute. Et les Stéphanois vont pouvoir obtenir ce coup franc. Et c'est Younis Abdelhamid, le Marocain, l'ancien Rémois, qui vient jouer sur Amougou. Amougou qui accélère, là, Amougou. Pour Ibrahim Sissoko qui vient s'appuyer sur Benhold. Sissoko qui essaye de passer en force mais il passera pas. Très bonne défense là des Normands. Touré. Casimir. Ouais, mais ils ont du mal. Ils ont du mal les Havrais là. Ils sont bien en place pour l'instant. Les Stéphanois en défense. Amougou. Qu'on voit beaucoup Amougou depuis le début de cette première période. Sissoko qui va changer à côté droit sur Davitashvili. Superbe accélération du géorgien. Davitashvili du pied. Arthur Desmas qui vient écarter la frappe du plat du pied de Davitashvili, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Et ça repart de l'autre côté avec Loïc Nigo qui va retrouver dans l'axe. Antoine Joujou. Gauthier Larsonneur qui effectue une parade décisive juste avant la pause. Puisque madame l'arbitre vient de siffler la mi-temps sur ce score de 1-0 pour l'AS Saint-Étienne face au Havre. Et ce but de Benhold qu'on voit à l'écran à la 10e minute de jeu. Allez, on se retrouve pour la deuxième période.
Allez, on se retrouve pour cette deuxième mi-temps, pour cette deuxième journée de Ligue 1 2024-2025 entre l'AS Saint-Étienne qui reçoit ce soir le Havre et les Stéphanois qui mènent 1-0 avec ce but de Ben Hold. À la 10e minute de jeu et qui permet pour l'instant aux hommes de Olivier Dalloglio d'empocher leurs 3 premiers points dans ce championnat de Ligue 1. À mon goût, Sissoko qui va décaler Ben Hold, qui va retrouver Sissoko, qui prolonge à Devitashvili. Ben Hold, c'est bien fait, ça joue bien, là, ça combine bien du côté des Verts. Ben Hold, Ben Hold, le doublé! Le doublé de Ben Hold! Incroyable! Le Néo-Zélandais qui vient s'offrir un deuxième but dans cette rencontre pour le plus grand bonheur des tribunes de Geoffroy Guichard. Oh, quelle ambiance exceptionnelle, éléphantesque ici à Geoffroy Guichard. Quel public, quel supporter. Et quel match de Ben Hold qui vient gagner son duel face à Arthur Desmas. Et dans une phase de jeu vraiment incroyable des Stéphanois pour déstabiliser la défense normande. Loïc Négo, ils perdent trop vite le ballon. Là, les Havrais, pour l'instant, ils sont submergés par les attaques répétées des Verts. Sissoko. Sissoko qui temporise, il va prolonger sur Florian Tardieu. Florian Tardieu, il est passé! La frappe de Florian Tardieu! Arthur Desmas qui peut récupérer cette frappe en deux temps. Mais attention, attention là, les hommes de Didier Digard sont en train de craquer. Ils sont menés 2-0. Ils en ont déjà pris 4 au Stade Océane le week-end dernier face au champion de France en titre, le Paris Saint-Germain. Mathieu Cafaro, Amougou qui va décaler Cafaro, superbe, qui prolonge là dans la course de Nzuzi, le centre de Nzuzi près poteau, mais directement sur Lloris qui va décaler Kinkoué. Keshta, Antoine Jou, Kouzaïef, Kouzaïef, ça manque de précision là de la part du Russe, et c'est du pain béni pour les Stéphanois pour récupérer ce ballon. Tardieu, Devitashvili, Ben Hold, et qui va perdre le ballon face à Touré. Les supporters stéphanois ne vont pas lui en vouloir après ce doublé. Et Keshta, oh, super ballon là de Keshta pour Josué Casimir. Petit filet pour Josué Casimir qui ne cadre pas face à Gauthier l'Arsonneur. Et Samuel Grandsir qui va rentrer à la place de Rassoul Ndiaye du côté des hommes de Didier Digard. Abdelhamid, Tardieu, pour Amogou, pour Sissoko, Nzuzi. Nzuzi, c'est bien fait dans la course de Mathieu Cafaro. Mathieu Cafaro qui va se présenter face à Arthur Desmas. Oh, super ballon! Oh, ce caviar de Mathieu Cafaro pour Sissoko qui a juste à pousser ce ballon au fond des filets et mettre le troisième but de l'AS Saint-Etienne. C'est l'explosion de joie ici à Geoffroy Guichard. 3-0 pour l'AS Saint-Etienne face au Havre. Alors, on revoit Sissoko. Ah, c'est peut-être pas le plus difficile de sa carrière à mettre. Tout le travail ayant été effectué par Mathieu Cafaro. Ah, je peux vous dire qu'ici, il règne une atmosphère, mais des grands soirs ici à Saint-Étienne. C'est exceptionnel. Grandsir qui a du jus, qui est rentré. Grandsir, il va retrouver Keshta. Keshta qui accélère peut-être pour réduire la marque pour les Havre. Grand tir pour Antoine Jujou, l'attaque piquée et sur sa ligne un arrêt, une parade exceptionnelle de Gauthier l'Arsenal. C'est pas fini pour les Havre avec Kouzaïef. Ouh, ça passe pas loin. Kouzaïef, Dallaire Kouzaïef en se retournant qui va frapper
et qui voit sa frappe raser le montant de Gauthier Larsonneur et Augustine Boisquillet qui va rentrer du côté des hommes d'Olivier Dalloglio. Ah là là, et ben là ouais, ils ont peut-être perdu l'opportunité de revenir à 3 buts à 1, là, les Normands. Parce que là, Gauthier Larsonneur avait déserté sa cage. Et si c'était cadré de la part du Russe d'origine tartare, eh bien ça faisait mouche. Et on va rentrer dans les 10 dernières minutes de cette rencontre avec Kouzaïev, plein axe, qui va jouer à dans le dos de Antoine Joujou. Et c'est du pain béni pour Beres Oyoussou. David Tajvili, Tardieu, qui prolonge un tacle sur David Tajvili, qui va rejouer sur Tardieu, qui va décaler Oyoussou, qui rejoue sur Tardieu, Amougou. Ah, ils sont en pleine confiance là, les Verts. Mathieu Cafaro, Sissoko, et il vient buter là. Il a mal ajusté sa passe directement sur la défense centrale havraise. Et là, la contre-attaque là, des Normands avec grand tir face à Gauthier Larsonneur, grand tir. Et la parade de Gauthier Larsonneur, il est énorme ce soir, Gauthier Larsonneur. Énorme, fantastique. Ibrahim Sissoko qui va laisser sa place à Eman Aiki. Pur produit de la formation stéphanoise. Kouzaïev pour tirer ce corner, Kouzaïev pour Loïc Négo, de la tête et la claquette derrière de Gauthier Larsonneur. Les points serrés du portier stéphanois. On revoit ce corner. Ah ouais, Loïc Négo, il arrive à mettre sa tête et il a fallu la main très très ferme de cet homme, Gauthier Larsonneur. Ah, ils ont eu des occasions, hein, les Normands. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi a trompé l'excellent Gauthier Larsonneur. Kouzaïev pour frapper ce corner. Kouzaïev au pré-poteau. Et c'est dégagé de la tête par Younis Abdelhamid. Mais ça va revenir pour les Havrais avec Lloris. Il y a peut-être une petite main, il me semble. Madame l'arbitre ne bronche pas. Ça va partir en contre-attaque du côté des Verts avec Mathieu Cafaro qui temporise, qui va rejouer sur Aiki. Aiki, Aiki, toujours Aiki qui prolonge à David Tajvili. David Tajvili qui fait la différence sur Kinkoué. David Tajvili, le centre second poteau pour Mathieu Cafaro, le contrôle de Mathieu Cafaro. La parade de Arthur Desmas et... Ouais, grosse occasion là pour les hommes d'Olivier Dalloglio de mettre ce quatrième but. Et c'est terminé, l'AS Saint-Etienne s'impose nettement et domine largement le Havre, 3 buts à 0 ce soir. Ils lancent leur saison et prennent leurs 3 premiers points grâce à un doublé de Ben Hold, notamment cet homme, le néo-zélandais. Pour le compte de la 3e journée, les Stéphanois se déplaceront à Francis Leblay, y défier le Stade Brestois. Et le Havre recevra les champions de France de Ligue 2, la JOCR, dimanche à 17h pour absolument débloquer leur compteur points. Parce que là, ça risque d'être compliqué si ils venaient à perdre une 3e fois. Merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt.